Livre pour les enfants, enfantina, surtout illustré. Un thème tout à fait particulier et tant délicieux, surtout pour les petits lecteurs, qui malheureusement n'épargnent point ces livres-là, ces petites merveilles. Donc du coup, pour les pauvres collectionneurs, après les bibliophiles éclairés, hein, il ne reste que des miettes. Il n'en reste que des miettes de cette richesse splendide qui est le livre illustré russe. Voilà, parlons-en un petit peu, surtout en vue de notre vente, où toute une panoplie, une espèce de panorama qui vous sera présenté, un panorama chronologique du livre illustré pour les enfants. En fait, une période, surtout, si vous voulez, cet objet de convoitise des collectionneurs a connu une espèce d'apogée, une période de, une espèce d'âge d'or qui, en Russie, à la fin du 18e, au début du 19e siècle, avec une belle prolongation dans les années 30, mais déjà sur des principes esthétiques un petit peu différents. Mais tout commence grosso modo au milieu du 19e siècle, dans les années 1850, où avec les procédés moins chers, hein, plus accessibles dans l'imprimerie, on a pu enfin proposer aux enfants des éditions bon marché et bien illustrées. Et en Russie, pareil, c'est surtout à cette époque-là que tout commence, comme ce petit bouquin publié, édité en 1856 par une écrivain russe pour les enfants, Madame Avdeyeva. Et c'est un recueil de contes russes qui jouit effectivement de la présence de ces très belles, très, très beaux dessins lithographiés en couleur. Mais donc le début était glorieux, mais l'âge d'or, c'est effectivement le début du XXe siècle, bien sûr, avec les noms qui tout de suite qui sautent aux yeux et à lui, c'est bien évidemment Bilibine, Vesnitsov, Zvorikine, Narbout, Mitrokine et bien bien d'autres. Et effectivement, de nouveau, nous avons l'extrême plaisir de vous présenter l'œuvre de ces grands artistes dans le domaine du livre pour les enfants. Après, bien sûr, l'évolution, les choses ne s'arrêtent pas, l'évolution du livre pour les enfants en Russie continue, mais là, il y a déjà deux courants, si vous voulez, géographiques. Ce qu'on faisait dans le domaine de la publication pour les enfants dans l'émigration russe en Europe, et avec le nom de Fyodor Rozhankovski, on est tous familiers, mais pour les artistes qui travaillent en Union soviétique, c'est aussi une espèce de renouveau glorieux, hein, avec de nouveaux principes esthétiques, artistiques, qui sont mis en place avec tant de succès. Et les noms, bien sûr, de Lebediev et Konashevitch sont surtout, sautent à l'oreille surtout et viennent à l'esprit, hein. Donc, effectivement, pour cette période glorieuse du livre russe époque soviétique, nous avons aussi toute une belle collection qui présente bien les destins du livre pour les enfants en Russie, illustrés, et sa fin tragique au milieu des années 30 en Union soviétique. Et là, il y a justement un ouvrage qui marque la rupture. Le tout dernier fait dans cet esprit est toujours jouissant, ludique, qui animait en fait l'illustration pour les enfants en Union soviétique, celle de Lebediev et Konashevitch, justement un livre illustré par Konashevitch, des contes de
Tchoukovski, édité chez Academia en 1935. Il y a eu toute une campagne hostile envers Lebediev et Konashevitch concernant leur façon de faire les illustrations pour les enfants. Donc une espèce de croisade contre, la façon avant-gardiste d'illustrer les livres pour les enfants, qui déclenchée par les autorités, bien sûr, et cette campagne, elle a mis fin à cette époque si importante pour l'histoire du livre pour les enfants en Russie. Et en Union soviétique, une autre approche a été adoptée, plus classique, mais peut-être beaucoup moins ludique, moins excitante, moins intéressante. En tout cas, voici quelques mots pour vous désigner un phénomène à multiples images, un phénomène devenu légendaire, qui continue à nous émerveiller. Et j'espère qu'il vous émerveillera également très bientôt.